Alors, dans ton livre, tu parles des gens qui ont compté pour toi. Et tu dis, quand tu étais étudiant, tu adorais Hugo Frey parce qu'il était un peu le porte-parole des routards de l'époque. Et puis, tu l'as vu à l'Olympia, un joueur à Marseille, tu as réussi à l'approcher. Et Hugues t'a donné des conseils à l'époque. Ben c'est vrai, il a été décisif, hein. Tout à alors, fait décisif. Hugues, il se devait d'être là. Ah ben oui, je suis... Il est dans l'actu. Et quelle actu? Son album Hugues est un événement. Je l'ai vu à l'Olympia l'autre jour. Il reviendra sur scène dans quelques mois. Il sera au Palais des Sports, d'ailleurs, au mois de mai. Voici notre ami Hugues Auffray. Quand j'avancerai droit dans mes sentiers, vers un horizon comme un terrain vague, ma guitare toujours bien accordée. Quand j'arriverai au poste frontière, le moment venu de faire l'inventaire de ma vie, de la regarder droit dans les yeux. Dans à l'heure du passage, on dit le dernier à toutes ces questions qu'on va me poser. Et qu'as-tu fait de toutes ces années? Pour vous résumer, juste en une image, toutes les couleurs de tous mes voyages, ne me reste qu'un peu de fumée. Trois bouts de bois et quelques voix portées par l'écho. Ensemble on est moins seul, ensemble on se tient plus chaud. Je ne suis qu'un feu de camp, juste un refrain dans le vent. Même si on m'a pris pour un doux rêveur, un idéaliste trop plein de candeur, un cow-boy, un faiseur de pluie. Si j'ai chanté la terre, la mer, le printemps, j'ai chanté les rêves, les chagrins d'enfant. Aujourd'hui, je chante ma vie. Trois bouts de bois et quelques voix portées par l'écho. Ensemble, on est moins seul, ensemble, on se tient plus chaud. Je ne suis qu'un feu de camp, un refrain dans le vent. Quand mon jour viendra au vent qui divague, que ma voix ira portée par les vagues, ma guitare un peu désaccordée. À l'heure de quitter tous vos chers visages, je veux vous laisser en simple héritage le secret de ma destinée. Trois bouts de bois et quelques voix portées par l'écho. Ensemble on est moins seul, ensemble on se tient plus chaud. Je n'étais qu'un feu de camp, un refrain dans le vent. Juste un refrain dans le vent. Juste un refrain dans le vent. Dans le Hugues Auffray, extrait de l'album Hugues. Voilà. Ensemble. Je suis fier que tu sois là, Hugues. Ensemble, on est moins seul. Là, j'adore la couverture photo de l'album Hugues. Eh ouais. Tu aurais pu le faire toi-même, non? Toi qui es peintre. Qui dessine. Bah, disons que je suis un petit peu
pour quelque chose dans la photo. Ouais, avant d'aller plus loin, je veux dire merci à Antoine de m'avoir invité. Parce que tu sais, dans ces émissions, on part toujours en se disant il y a quelque chose que j'aurais voulu faire, que j'ai oublié de faire. Alors, pour ne pas l'oublier, merci. Alors, dans son livre, il disait... Alors, c'est faux, le nombre de vocations, le nombre d'artistes qui ont voulu faire ce métier en écoutant Hugues. Okay. Le livre d'Hugues Offray, d'ailleurs, « Droit dans mes Santiago », autobiographie, la préface est de Renaud. Et Renaud dit, en parlant de Hugues, c'est un troubadour, un moderne, un trouvère, un baladin du monde moderne. Jean-Michel Boris, qui a présidé aux Destinées d'Olympia, a dit que sa carrière est rectiligne et est admirable. Et toi, tu dis que ta rencontre avec lui a été décisive. C'est clair, hein, s'il n'y avait pas Hugues, je ne serais sans doute pas ici dans ce canapé aujourd'hui. Hein. Ah, à ce point-là. Ah oui, grattais la guitare dans les rues. Et puis, un jour, je suis allé voir Hugues au Pharo à Marseille. Au Pharo à Marseille, exactement. Un spectacle. Et puis, au lieu de... Il était très, très grande vedette. Et puis, au lieu de m'envoyer dinguer, il m'a accueilli et il m'a donné des conseils. Vraiment, il a été un peu mon parrain. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je lui ai tout de suite dit... parce qu'il est venu me montrer les chansons qu'il avait traduites de Bob Dylan. Je lui ai dit, mais attends, on vient de le faire avec Pierre Delanoë. Avec ton talent, fais tes chansons. Mais je dois dire que la première fois que je l'ai vu, juste l'image... Toi, tu t'en souvenais pas. Je sortais donc, j'avais fini mon gala, je monte dans ma Mustang décapotable et à côté de moi, il y avait un gars qui chantait une chanson en suivant, comme je roulais tout doucement parce qu'il y avait la foule. Il chantait une chanson, je m'en souviens, et je lui ai dit, bon, viens me voir à l'hôtel. Il est venu, il m'a apporté ses chansons. Je lui ai dit, viens me voir à Paris et puis voilà, on va essayer de te produire parce qu'à l'époque, j'avais la compagnie. Ah oui. Mais on dit que ça fait la compagnie. Quoi. Voilà, et puis bon... On va pas parler de ça, puisque ça c'est... Entre-temps, j'ai rencontré Christian Fechner, donc ça a pris une autre direction. Faut dire mais vraiment, le gérant de la compagnie ne s'était pas intéressé à ton talent. Mais moi, je lui ai dit, il faut que tu fasses ces chansons. C'est peut-être ça le service que je lui ai rendu en lui disant de faire ça. Alors, vous êtes deux baladins, deux guitaristes, deux troubadours. Oui. Vous allez vous échanger les chansons. D'ailleurs, la deuxième qu'on va entendre, c'est Dylan. Hein. Mais d'abord, on va commencer par « On est les rois ». On est les rois. On couche n'importe où. Dans des chambres à 100 sous, on est des gratte guitares. On chante sur les trottoirs, oui, mais on n'est pas syndiqués. Nos blue jeans sont râpés et dans tous les coins où l'on va, on est rois. On a parlé de Dylan. Moi, j'ai découvert Dylan grâce à Hugues Offray. Ben oui, il a adapté beaucoup de chansons de Dylan, une en français qui a pour titre N'y pense plus, tout va bien. Ben encore, tout est bien. Encore une chanson qui a été décisive pour moi, parce que la philosophie était telle. Un détail, j'ai voulu absolument. On a été les deux premiers Français. Moi, j'étais le premier, et lui m'a suivi parce qu'il est plus jeune, à jouer de cet instrument étrange. C'est la première fois qu'on verra deux chansons en même temps. Trois, quatre. À quoi ça sert de chercher à comprendre? Pourquoi on dit ce qu'on dit? À quoi ça sert de chercher à comprendre? Quand c'est fini, c'est fini. Quand le soleil se lèvera demain, je serai déjà loin, très loin. Il faut se quitter en chemin, mais n'y pense plus, tout est bien. Alors, après On est les rois, encore une chanson de Roger Miller, adaptée cette fois par Hugues et par Lynn Deguy. Et tu vas voir l'importance de cette chanson. C'est un talking blues. Oui. Je peux bien l'avouer maintenant, les amis. Quand j'étais étudiant, je traînais toute la nuit. Ma guitare sous le bras à Saint-Germain-des-Prés. Mes parents me croyaient à l'université. Tu vois ça, ça s'appelait le talking blues. C'était un style très connu en Amérique que beaucoup de gens ont adapté. Alors lui, il a fait cette chanson-là. Et moi, à partir de talking blues, j'ai fait... Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux.
Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Allez, pends-moi, pends-moi, à bout de corde et pends-moi. Peut-être que ce jour-là, quelqu'un viendra prier pour moi. Alors, une adaptation des Pogues qui a pour titre « Chacun sa mer, chacun son vent ». Et alors nous, on la chante chacun pour nos copains marins. Moi, c'est surtout Philippe Monnet, Jean-Luc Vandenède et Titouan Lamazou. Qui va nous rejoindre tout à l'heure. Parce que la mer, a, bien sûr, la mer a une grande place dans les chansons de Il ne manque pas d'air, c'est seigneur du vent. Ô fils des clans, ils sont tous frères, mais sur l'océan, chacun sa mer, chacun son vent. Alors Antoine, sur ce plateau, il y a déjà des années, est un des premiers à chanter l'environnement, touchez pas à la mer. Une chanson qui est toujours et plus que jamais de circonstance, hein, que j'ai, quand j'ai composé il y a 20 ans. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, gardez un peu d'eau claire pour vos petits-enfants. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, gardez un peu d'eau claire, gardez un peu d'eau claire pour vos petits enfants. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. C'est moi qui me suis trompé dans les paroles. C'est pas grave. C'est voilà, pas grave. Hugues. Je rappelle qu'Hugues est sur scène. J'étais vers l'Olympia l'autre jour. Il y avait un climat particulier. Tu reviens sur scène au Palais des Sports le 29 et 30 mai. L'album Hugues Auffray en concert est un événement. Et puis, je voudrais revenir sur ce livre. Je sais que tu as dédicacé un livre à Antoine, hein, à ton copain Drucker. Ça me touche beaucoup. Et il y a cette préface de Renaud. Droit dans mes Santiago. T'as jamais été aussi bien dans ta peau, t'as jamais été aussi beau et jamais aussi jeune. T'es gentil, très, très gentil. Je veux dire que, que cette chanson-là que tu as chantée, là, tu sais celle que tu as chantée il y a un instant, là, hein, c'est pas un testament, c'est toi tout entier. Et quand j'ai entendu cette chanson, moi j'ai été bouleversé et j'ai carrément pleuré. Et le disque, je vous recommande vraiment l'album d'Hugues. Oui, oui, l'album d'Hugues, il est génial, il est extraordinaire, vraiment très très émouvant. Merci, la musique est de Georges Augier de Moussac. Oui. Et j'ai écrit les paroles avec Frédéric Zetoun. Exactement. On va vous retrouver tous les deux à la télévision, chantant ensemble. Regarde. C'est un fameux trois-mâts, comme un oiseau, qui s'est haut, Santiago, 18,400 tonneaux. Je suis fier d'y être maintenant. Je crois devant, nous irons jusqu'à ce...